Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous signalons que nous sommes dans notre sixième série de notre enseignement qui a comme thème quelques attitudes d'un bon guerrier. Aujourd'hui, nous parlons d'un guerrier intrépide. Un intrépide est celui qui affronte les obstacles sans avoir peur. Alors, en lisant Juges chapitre 7, verset 10, l'Éternel dit à Gédéon, « Si tu crains de descendre dans le camp de Madian seul, descends-y avec Pourra, ton serviteur. » Qui étaient ces serviteurs qui pouvaient décrisper la peur du vaillant guerrier Gédéon? Nous avons dit, ce n'est qu'un vaillant qui peut secourir un autre vaillant. Sûrement, cet homme Pourra fit le porteur d'armes de Gédéon, mais aussi son complément. Il a fallu pour Gédéon un intrépide guerrier comme Pourra pour descendre au camp de l'ennemi. Vous savez, comme la peur est contagieuse, le courage l'est aussi. Ne marche jamais avec les pessimistes de peur d'être un vaincu permanent, mais sois toujours avec des intrépides guerriers. Gédéon était à l'écoute de Dieu qui l'orienta vers un intrépide capable de suppléer sa peur. Sois toujours à l'écoute du meilleur sélectionneur, Jésus-Christ, pour vaincre le combat de ta vie. Même Saoul le fit. En lisant 1 Samuel chapitre 14, la Bible dit « Pendant toute sa vie, il eut une guerre acharnée contre les Philistins, et dès que Saoul apercevait quelques hommes forts et vaillants, il le prenait à son service. » Parmi les qualités de cet homme Saoul, s'il faut en citer, nous dirons qu'il était un bon sélectionneur, mais aussi un homme avec une seule femme, donc monogame. Revois ta manière de sélectionner les amis, les compagnons, par l'aide du Saint-Esprit. Prie pour que le Seigneur t'envoie des gens qui pourront te compléter et non t'étioler. L'intrépidité de Pourra a fortifié Gédéon vers la descente au camp des ennemis. Pendant ce temps comme celui-ci, tu as besoin des gens qui peuvent booster ta spiritualité dans la foi en Jésus-Christ ou encore te suppléer. Suppléer vient de suppléro en latin qui signifie compléter ce qui manque ou combler le vide. L'amour, c'est aussi combler le vide de l'autre. La Bible dit, l'amour couvre. Couvrir, c'est aussi combler. Comme Gédéon, bon guerrier, attaché à un intrépide guerrier, le Seigneur veut que tu sois comme celui-ci sur la terre pour faire avancer son royaume. Tu y es un guerrier intrépide, n'est-ce pas? N'est-ce pas est une formule d'adhésion. C'est aussi une expression qui demande une confirmation. Si tu es un intrépide guerrier, confirme-le aujourd'hui dans ton cœur. Jésus veut que tu sois toujours un disciple intrépide devant les obstacles. Sois toujours à l'écoute de ses oracles pour vaincre les obstacles de ta vie. God bless you.